avec son fort Vauban, sa redoute, ses deux batteries, sa gracieuse caserne, toute une architecture aux lignes claires, sans ornements inutiles, Saint-Vincent-les-Forts constitue un environnement idéal pour accueillir les jeunes en vacances. C'est un village qui respire la soldatesque. À s'y promener, on se prend l'envie de revêtir un bel uniforme bien repassé et de marcher au pas, le dos droit, menton haut, avec ensemble et gravité, tout en chantant la Madelon ou bien Loin de chez nous. Visiblement, le public, ce soir, est peu porté sur la chose militaire. Je suis sûr qu'il y en a dans le lot qui n'ont pas fait leur service national universel. Parmi les nombreux bénévoles, je retrouve des amis au bar, à la vaisselle, faisant le planton. L'an prochain, je donnerai un coup de main. Avec mon sens de la fête et ma bonne humeur contagieuse, je devrais être comme un poisson dans l'eau.